L'architecture de la planche de bord 307 repose sur l'utilisation d'une traverse tubulaire de grand diamètre augmentant la rigidité de la structure et donc la sécurité passive au niveau de l'habitacle. Cette traverse sert également de support à la colonne de direction et reçoit une jambe de force fixée sur le tunnel central. Le positionnement de la traverse sur la structure est assuré par des pions de centrage métallique. La traverse est fixée en quatre endroits. De chaque côté, deux fixations. Derrière le combiné, une fixation. Au centre, deux fixations sur le climatiseur. Lors des déclipages, les surfaces plastiques seront protégées et l'utilisation de spatules est impérative. Par ailleurs, l'utilisation du multiplexage a permis une réduction significative des faisceaux, simplifiant par là même les interventions. La batterie sera débranchée avant toute manipulation de connexions électriques. Fin de repose, procédez à un test de fonctionnement. Et à un test global avec le Diag 2000. Dans ce film, nous verrons plusieurs déposes partielles. Le combiné, le volant et les éléments associés, l'écran multifonction, les façades centrales inférieures, et supérieures, et la console centrale. Et enfin, nous verrons comment déposer et reposer la planche de bord. La dépose du combiné nécessite un outillage spécifique utilisé côté palette. Le combiné est maintenu en place grâce à des ergoplastiques venant se clipper derrière des languettes ressorts. En prenant soin de protéger la planche de bord, écartez légèrement le combiné à l'aide de spatules plastiques. Engagez les outils spécifiques dans les encoches en partie inférieure. Poussez les deux outils jusqu'au déverrouillage des ressorts. Exercez une traction sur les outils pour dégager le combiné. Attention, toute action de levier sur les spatules risque de détériorer le transparent du combiné. Déconnectez et déposez le combiné. À
la repose, rebranchez le connecteur et engagez les ergots supérieurs du combiné dans les logements sur la planche de bord. Appuyez en partie inférieure pour reclipper. Effectuez un essai de fonctionnement. Pour déposer le coussin gonflable conducteur, débranchez la batterie. L'ensemble coussin gonflable est maintenu en place grâce à deux crochets venant se clipper derrière deux ressorts. Engagez un tournevis dans les trous latéraux derrière le volant pour déclipper le coussin gonflable. Débranchez les deux connecteurs des allumeurs. Et la cosse de masse. Déposez le coussin gonflable. Pour déposer le volant, débranchez le connecteur d'avertisseur sonore. Déposez la vis de fixation du volant. Vérifiez que les roues sont en position ligne droite. Déposez le volant en faisant passer les connecteurs au travers de l'ajourage. Pour déposer les gaines de colonne de direction, extraire les deux vis de fixation en partie inférieure. Déposer la gaine inférieure. Soulever la gaine supérieure et la déclipper en pinçant les deux ressorts. À noter, la dépose des gaines de colonne peut s'effectuer sans déposer le volant. Pour déposer l'ensemble de commutateurs COM2000, débranchez les deux connecteurs du coussin gonflable et les trois connecteurs 6 voies. Desserrez la vis du collier de serrage. Dégagez l'ensemble commutateur en écartant les deux pattes de verrouillage. Déposez l'ensemble COM2000. L'ensemble COM2000 intègre le capteur d'angle volant et assure, grâce à un contacteur tournant, la transmission des commandes de mise à feu du coussin gonflable et de l'avertisseur. Ce contacteur tournant est en fait un câble en nappe enroulé en spire d'une longueur suffisante pour permettre de manœuvrer le volant de butée à butée. Afin de conserver la position mi-course du COM2000, vérifiez son verrouillage, et l'immobiliser à l'aide d'un adhésif. En cas d'échange, le COM2000 est livré en pièces de rechange en position mi-course. À noter, les satellites de commande de régulation de vitesse et d'autoradio
sont encliquetés, permettant un échange rapide. À la repose du volant, vérifiez que les roues du véhicule sont en position ligne droite avant d'aligner les repères sur volant et sur colonne de direction. Celles-ci comportant des méplats assurant un détrompage de position. À la repose du coussin gonflable, les connecteurs des allumeurs sont repérés par des couleurs différentes. En fin de repose, vérifiez le fonctionnement des équipements. À l'aide du Diag 2000, procédez au calibrage du capteur d'angle volant en suivant la méthode après-vente liée à l'ESP. Pour déposer l'écran multifonction, le déclipez en le faisant pivoter vers le haut. Cette dépose permet d'intervenir sur le capteur de luminosité. Déclipez le capteur et déconnectez. Pour déposer l'afficheur, débranchez le connecteur et déclipez l'agrafe de maintien du faisceau. Déposer la façade inférieure, extraire l'autoradio et le déconnecter. Décliper le boîtier ISO. Cet emplacement permet, selon niveau, de proposer un chargeur CD. Ces déposes permettent d'intervenir sur la sonde de température habitacle, nécessaire au fonctionnement d'une réfrigération régulée. Déclipez le support de la sonde et le dégagez vers l'avant. Débranchez le connecteur et déposez la sonde avec son support. Continuer la dépose de la façade, extraire le cendrier. Déposer les deux fixations. Déposer la garniture caoutchouc du vide-poche central inférieur. Décliper le soufflet du levier de vitesse. Déclipez la partie supérieure de la façade. Faire passer le soufflet à travers la façade en prenant soin de ne pas le détériorer. Déposer la façade inférieure. Dégager le boîtier cendrier. Et déclipez l'éclaireur. La repose s'effectue en sens inverse. Emboîtez la patte inférieure de la façade sur la console de plancher avant de clipper la partie supérieure. Continuez la repose.
Déposez la façade inférieure. Pour accéder aux fixations supérieures de la façade, placez des protections et déclipez les deux obturateurs ou commutateurs supérieurs latéraux. Extraire les deux fixations supérieures. Puis les deux fixations inférieures. Déconnectez et dégrafez le faisceau. Déposez la façade centrale inférieure. Extraire les deux fixations avant. Déclipez l'ensemble porte-gobelet. Déposez la garniture caoutchouc du vide-poche arrière pour extraire la fixation. Déposez et débranchez l'interrupteur d'inhibition airbag. Déclipez la prise 12 volts et la déconnectez. Tirez fermement le levier de frein à main et dégagez la console. Cette dépose permet d'accéder au calculateur d'airbag. Pour déposer l'ensemble de planches de bord, placez les roues avant en position ligne droite. Reculez les sièges avant au maximum et les protégez à l'aide de housses. Débranchez la batterie. Déposez la façade centrale inférieure et le boîtier cendrier. Déposez la console centrale et la façade centrale supérieure. Déposez, selon équipement, la sonde de température intérieure. Déposez l'écran multifonction et le capteur de luminosité. Au fond du logement de l'écran, déposez la vis de fixation de la partie supérieure de planche de bord. Déposez le coussin gonflable conducteur, le volant, les gaines de colonne de direction, l'ensemble commutateur COM 2000 et le combiné. Sous volant, déposez l'insonorisant, la garniture sous colonne de direction, et le cache de boîte à fusibles. De chaque côté du BSI, déverrouillez les fixations quart de tour. Écartez les pattes inférieures. Et basculer le BSI.
Sur le BSI, à droite, débranchez le connecteur noir 10 voies. À droite du BSI, déclipez et débranchez le connecteur blanc et rouge. Si le véhicule est équipé d'une alarme, débranchez le connecteur vert 2 voies. Déclipez le connecteur de diagnostic. Déconnectez la commande de correction de site des projecteurs. En partie centrale, déposez les quatre fixations de la platine de commande de climatisation. Déclipez la platine vers l'intérieur de la planche de bord. Débranchez les connecteurs 6 voies. Déposez les deux fixations de la traverse de planche de bord sur le climatiseur. Sur la jambe de force, dégrafez les faisceaux pour ne conserver que les deux faisceaux orange et noir des airbags. Pour déposer les flasques de console, extraire de chaque côté les deux fixations. Puis l'agrafe en partie avant. Déboîtez les conduits d'air pour accéder aux vis de fixation de prise de masse situées de part et d'autre des câbles de commande de vitesse. Débranchez le connecteur noir. Déposez les fixations des prises de masse. Débranchez les connecteurs d'airbag en partie inférieure de la jambe de force. Déposez les deux fixations inférieures de planche de bord sur le climatiseur. Déposez la vis de fixation inférieure de la jambe de force sur le tunnel. Déclipez les connecteurs du faisceau du climatiseur. Sous la colonne de direction, déclipez la platine de maintien des faisceaux, puis le connecteur vert. Déposez les quatre fixations de la colonne de direction sur la traverse de planche. Laissez pendre la colonne en prenant soin de ne pas mettre en tension les faisceaux. Au fond du logement du combiné, déposez la fixation de traverse de planche de bord. Placez des protections et déposez les aérateurs latéraux en présentant la spatule de chaque côté en partie inférieure et en exerçant un léger mouvement de rotation vers l'intérieur. Dégagez ensuite le clip supérieur des caches latéraux de fixation de planche de bord. Déposez les caches latéraux.
chaque côté, déposez les deux vis de fixation latérale de la traverse de planche sur la structure. Pour déposer les garnitures de montant de baie, déchaussez le joint d'entrée de porte. Déclipez la garniture vers l'intérieur, de haut en bas, et dégagez la garniture vers le haut. À deux opérateurs, soulevez la planche pour libérer les pions de centrage. Dégagez la planche en guidant la colonne de direction. Soulevez la planche pour la faire passer au-dessus du levier de vitesse et la basculer pour ne pas détériorer les sièges avec la jambe de force. Sortir la planche par la porte conducteur. À la repose de la planche, vérifiez le cheminement des faisceaux. Rebridez les faisceaux sur la jambe de force et sur le climatiseur. Reclipez les connecteurs. Serrez les fixations de traverse au couple préconisé. En fin de repose, rebranchez la batterie et effectuez un test de fonctionnement des différents équipements. À l'aide du Diag 2000, effectuez un test global et selon équipement, procédez au calibrage du capteur d'angle volant.